Ghali Belkessir, en fuite, est accusé de haute trahison, grandeur et décadence d'un général. Abdelmadjid Tebboune à la réunion gouvernement Wali, des forces d'inertie œuvrent contre la stabilité du pays. Rapatriement, Air Algérie programme un vol au départ d'Alger vers Paris. Ghali Belkessir, en fuite, est accusé de haute trahison, grandeur et décadence d'un général. Jamais un officier de ce rang ni un responsable ayant occupé de hautes fonctions n'a été poursuivi en justice pour un tel chef d'inculpation. Le général Belkessir et les deux autres mis en cause encourent donc la peine de mort. Le général à la retraite et ancien commandant de la gendarmerie nationale, Ghali Belkessir, est officiellement accusé de haute trahison. Le sulfureux général est donc rattrapé par une grosse affaire dans laquelle sont, pour le moment, impliqués et poursuivis deux militaires mis à la retraite, à savoir le secrétaire particulier du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, l'adjudant-chef Germit Bounouira et le commandant Hicham Darwish. Jamais un officier de ce rang ni un responsable ayant occupé de hautes fonctions n'a été poursuivi en justice pour un tel chef d'inculpation. Le général Belkessir et les deux autres mis en cause encourent donc la peine de mort, conformément à l'article 63 du Code pénal, qui stipule que tout coupable de trahison est puni de peine de mort. L'ancien commandant de la gendarmerie nationale, qui était l'un des hommes forts de l'appareil sécuritaire de ces trois dernières années, est en effet accusé de possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger. Le communiqué du nouveau directeur de la justice militaire, le colonel Achour Bouguera, ne précise pas la nature du mandat d'arrêt, national ou international, lancé contre le général Belkessir. Mais selon les informations en circulation et jamais démenties, le général Belkessir aurait quitté le pays quelques semaines après son limogeage, le 24 juillet 2019 par Abdelkader Ben Salah. Son épouse, Fatia Boukers, ex-présidente de la cour de Tipaza, l'aurait suivi dans son exil à l'étranger. C'est dire que ce général anticipait les événements en se planquant à l'étranger. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Certaines sources affirment qu'il serait installé dans le sud de l'Espagne. D'autres parlent des Émirats Arabes Unis. Peu importe, l'ancien commandant de la gendarmerie nationale constitue aujourd'hui, pour reprendre le jargon sécuritaire, une menace pour la sécurité nationale qu'il faudra rapidement neutraliser, en ce sens qu'il est dans la nature, en fuite à l'étranger, avec des informations et des documents secrets. Des documents qu'il pourrait monnayer contre un refuge politique, s'il ne l'a pas déjà fait. Le général Belkessir aurait été gravement enfoncé par l'adjudant Germit Bounouira, en détention à la prison militaire de Blida, depuis qu'il a été arraché le 2 août de son exil turc par les éléments de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, sur ordre du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Clé de voûte de cette grosse affaire de haute trahison, l'adjudant-chef Germit Bounouira aurait tout balancé. Si l'appareil politico-sécuritaire réussit à mettre la main sur le général Belkessir, il faudrait donc s'attendre à de nouveaux développements dans cette affaire qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Beaucoup a été dit et écrit sur ce général qui a été nommé à la tête de la gendarmerie nationale le 4 juillet 2018 dans le sillage des vastes changements opérés dans différents corps de l'armée sous le règne de l'ex-chef d'état-major de l'ANP, le défunt Ahmed Gaïd Salah. On attribue, par exemple, à tort ou à raison, l'interdiction de l'étendard Amazigh dans les marches du Irak, ainsi que la fermeture des accès vers la capitale à Ghali Belkessir. Tout récemment, c'est un autre ancien officier général de la gendarmerie nationale qui a gravement mis en cause Ghali Belkessir. Il s'agit du général-major à la retraite et ancien DGSN Abdelghani Hamel. Ce dernier a, lors de son procès, formellement accusé les généraux Belkessir et Kamel Abderrahman d'agir pour Zine Jabil, ex-baron de la drogue. Abdelmadjid Tebboune à la réunion gouvernement Wali. Des forces d'inertie œuvrent contre la stabilité du pays. Abdelmadjid Tebboune a insisté, dans son discours, sur l'existence d'un complot fomenté par la Issaba, la bande, qui tend toujours de revenir aux commandes. Force d'inertie, blocage volontaire de décision, complicité avec la bande, etc. C'est en ces termes que le président Abdelmadjid Tebboune exprime sa colère contre ceux qui freinent, selon lui, la mise en œuvre de son programme et de ses décisions. En effet, le chef de l'État est apparu courroucé hier matin au Palais des Nations de Club des Pins, où s'est ouverte la réunion gouvernement Wali, la deuxième du genre après celle tenue en février dernier. Cette rencontre est programmée justement pour évaluer l'application des orientations présidentielles sur le terrain.
et le bilan est, visiblement, mitigé. Certaines wilayas ont bien réagi, tandis que d'autres patinent, affirme-t-il, dans un discours prononcé à l'ouverture de cette réunion. Le chef de l'État exprime ainsi son mécontentement. Sortant à chaque fois du discours écrit, Abdelmadjid Tebboune se montre menaçant à l'égard de ses responsables locaux, qui agissent toujours avec la même mentalité d'avant héritée de l'ancien pouvoir. Il fustige, dans la foulée, ce qu'il appelle les forces d'inertie, qui œuvrent contre la stabilité du pays. Il y a des forces d'inertie, qui œuvrent contre la stabilité du pays, et espèrent toujours parvenir à une situation de chaos, lance-t-il. Le chef de l'État annonce, à cet effet, des enquêtes lancées pour démasquer les complices. Poursuivant, Abdelmadjid Tebboune revient sur les limogeages de chefs de Daïra et de PAPC, décidés mardi dernier. Cette décision est motivée, selon lui, par le blocage de décisions prises en Conseil des ministres. Ces blocages sont parfois volontaires. Les responsables limogés seront soumis à des enquêtes pour déterminer quelles étaient leurs intentions, affirme-t-il. Parmi les mesures souffrant de cette pratique, indique-t-il, il y a le versement de la prime Covid-19 accordée au personnel médical et l'indemnité décidée au profit des familles démunies. Pendant 3 mois, cette prime n'a pas été versée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la contre-révolution? Il y a des complicités à l'intérieur de l'administration. De toute façon, des enquêtes sont en cours pour savoir qui a fait quoi et qui bloque quoi, déclare-t-il. Servir le citoyen ne mène pas à elle arrache. Selon lui, certains responsables locaux invoquent leur crainte d'être accusés de mauvaise gestion et d'être emprisonnés. Servir le citoyen ne vous mènera pas à elle arrache. C'est le détournement des deniers publics qui est combattu, précise-t-il, en s'adressant directement aux walis, qu'il invite à faire usage de leurs prérogatives pour solutionner les problèmes du citoyen. Sur la même lancée, le président Tebboune évoque aussi une autre pratique en vogue chez les responsables, qu'il qualifie de cinéma. Nous assistons à des pratiques révolues. Des responsables viennent devant les caméras pour faire croire qu'ils ont pris en charge les doléances des citoyens. Mais dès qu'il n'y a plus de projecteurs, ils abandonnent tout. C'est du cinéma. Il faut que ça cesse, fulmine-t-il. Et d'ajouter, on ne peut pas gagner la confiance du citoyen en ne faisant rien. La bande agit toujours. Enchaînant, Abdelmadjid Tebboune insiste également, dans son discours, sur l'existence d'un complot fomenté par la Hisaba, la bande, qui tend toujours de revenir aux commandes. Il y a un complot contre la stabilité du pays. Il y a des gens que la stabilité n'arrange pas, ils espèrent toujours revenir en force. Ils rêvent. Le peuple est sorti dans la rue. Le train a démarré, personne ne peut l'arrêter, lance-t-il. Estimant que 80% des citoyens sont contents de la stabilité sociale, il accuse la bande d'exploiter la détresse des citoyens pour tenter de provoquer des révoltes sociales. Les représentants de la bande, achètent des citoyens avec l'argent sale, dit-il, invitant à nouveau les walis à être à l'écoute des Algériens. Il évoque, dans la foulée, la nouvelle affaire Ali Haddad, concernant la conclusion d'un contrat avec un cabinet de lobbying pour un montant de 10 millions de dollars, mais sans nommer l'ancien président du FCE. Ils sont en prison, et leurs millions de dollars sont distribués à l'étranger. Qui a donné les ordres? Qui a sorti ces millions de dollars? Le peuple doit savoir, déclare-t-il. Selon lui, l'époque où les responsables sont désignés par téléphone, avec des sacs d'argent, et durant la nuit est complètement révolue. Les portes de la repentance sont ouvertes pour ceux qui ont été dupés. Mais ceux qui ont choisi la voie de la traîtrise en travaillant contre l'intérêt de leur pays assumeront leurs responsabilités, souligne-t-il. Assurant que le changement demandé par le Irak béni sera concrétisé, Abdelmadjid Tebboune appelle les membres du gouvernement et les walis à se préparer à l'étape du référendum sur la révision de la Constitution. Il annonce, à cet effet, qu'un texte sera prochainement publié englobant les propositions de tous et chaque article inclura toutes les propositions soumises. Avant de conclure son discours, le chef de l'État invite les participants à la rencontre à faire une évaluation complète des problèmes et à proposer des solutions pratiques pour en finir avec cette situation. 4 walis atteints de Covid-19. 4 walis n'ont pas pu participer, hier, à la rencontre avec le gouvernement. Ils ont contracté le nouveau coronavirus. C'est ce qu'a annoncé le président, Abdelmadjid Tebboune, à l'ouverture de cette rencontre au Palais des Nations du Club des Pins. 4 walis sont absents. Ils ont contacté le Covid-19 et je leur souhaite un prompt rétablissement, explique le chef de l'État. Rapatriement. Air Algérie programme un vol au départ d'Alger vers Paris. Enchaînement des opérations de rapatriement par Air Algérie, qui annonce d'ailleurs qu'un vol au départ d'Alger vers Paris est prévu pour le 15 août.
Au soir du mercredi 12 août 2020, la compagnie aérienne nationale algérienne, Air Algérie, a révélé sur sa page officielle Facebook qu'un vol au départ d'Alger vers Paris s'opérera dans 2 jours, soit le 15 août 2020. Cette série de rapatriements accentués en ce mois d'août est activement opérée par le transporteur aérien national, Air Algérie, qui d'ailleurs prévoit une autre liaison d'Alger vers Paris. Cependant, cette desserte s'établira au départ de l'aéroport international d'Alger, Ouari Boumediene, en destination de la plateforme aéronautique Paris-Orly, ne concernera que les ressortissants, les résidents ainsi que les titulaires d'un visa de type D pour l'air Schengen. De plus, elle est mise en vente. Rappelons que depuis le début de ce volume de rapatriement, annexé à la phase 3, Air Algérie ne cesse de multiplier ses rotations pour rapatrier l'ensemble des Algériens, toujours bloqués en terre étrangère soumis à un rude climat sanitaire. Air Algérie a effectué d'innombrables vols de rapatriement vers diverses destinations. Néanmoins, une destination revient toujours en tête de liste, la France. En effet, en raison de l'abondante présence d'Algériens en France, pour une panoplie de motifs, travail, études, visite familiale, tourisme, soins, etc., l'Algérie se trouve dans l'obligation d'organiser de nombreuses liaisons de rapatriement vers l'Hexagone, ce qui justifie l'omniprésence de cette récurrence. Par ailleurs, il est important de remédier qu'hormis les rotations planifiées par Air Algérie en date du 4, 5 et 9 août vers Paris, Air Algérie a entrepris d'autres liaisons vers Montréal, les États-Unis, Istanbul, Londres ou encore l'Arabie Saoudite. Et d'autres restent à venir. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.